Coucou Sam, c'est Morgan Makeup. Ça te dit de venir chez moi faire un 24 heures? Oh là là, stralala, on va chez Morgan Makeup. Bisous. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Je ne suis pas débutant, je suis professionnel. Quand j'étais au balcon, j'étais trop contente de voir Sam. Je le voyais de loin. Le pauvre Sam, il m'a pu appeler, mais il a pas trouvé la maison. Et je me suis présentée au balcon pour voir indiquer où était ma maison. Et le voir de loin, en petite taille, en bas, ça m'a fait trop bizarre. Et franchement, je suis trop contente de voir Sam faire découvrir ma maison et mon quotidien. Donc voilà. Et c'est dans le 9-1 que nous nous retrouvons pour partir à la rencontre de Morgan Makeup. Je me trouve devant le portail de chez Morgan Makeup. On va sonner et elle va nous accueillir. On la réveille ce matin. C'est pas dans l'ordre des numéros. Non. Mais attends, mais c'est vraiment pas dans l'ordre. Ah voilà. Bonjour Momo, c'est Sam, ça va? Alors, ça va. Allez, c'est parti, suivez-moi. Ressonnez. Ah, elle a de la sécurité de partout, hein. Bah, c'est un coffre-fort. Ah! Vous pouvez entrer. J'arrive pas à croire qu'on va chez Morgan Makeup. Hello, how are you today? Bienvenue Sam chez Morgan Makeup. Donc là, on est dans ton appartement. Exactement, c'est un appartement F3 pour les personnes handicapées. 70 mètres carrés qui étaient rajoutés 10 mètres de plus parce qu'ils ont tout cassé l'appartement pour adapter pour les personnes handicapées. Ok, voilà. Et c'est toi qui as fait la déco? Exactement, c'est moi qui ai fait la déco malgré avec mon handicap, les travaux et tout. Donc, c'est toi qui as peint? Oui, c'est moi. En fait, c'est de la peinture à l'huile. Donc voilà, tout est c'est moi en café en fait. Le 20 janvier, tout l'appartement c'était en blanc. Donc moi, comme j'ai des problèmes de yeux trop blanc, j'ai mal aux yeux. Okay. Donc il fallait que je camoufle le blanc. Donc j'ai fait bleu canard ici. J'ai fait okay. Bleu canard, une frise blanche et gris satin. Donc voilà, il fallait me varier entre le foncé et le clair. Ici, j'ai laissé blanc et gris, enfin un rappel un petit peu le salon aussi. Oui, là t'as fait rouge. J'ai fait rouge. Donc ici, j'ai fait rouge cerise et j'ai fait une frise derrière blanche et gris. Oh, ça, c'est les endroits où tu mettais le scotch. Exactement, ouais. Ah ouais, c'est ça. Je connais, j'avais déjà fait aussi. C'est dur en plus le rouge à faire. Hein. Ah ouais, c'est très dur. Et par contre, c'est de la peinture à l'huile. Donc voilà. Tu nous fais visiter? Exactement, je vous fais visiter. Donc suivez-moi, on allez. Y va. Quand ça m'arrive, je décide de visiter l'appartement. Parce qu'en fait, je vois aussi que y a beaucoup de gens qui font polémique, qui disent que en fait, je suis la fausse handicapée, je suis la fausse malade. Donc pour la communauté de Sam et ma communauté, pour prouver que je suis bien dans un appartement handicapé et pour faire taire les haineux, tout simplement. Là, c'est la salle de bain, les toilettes handicapées, okay. la douche handicapée. Okay. Donc voilà, il risque d'avoir des travaux pas longtemps parce que ma douche, elle a un problème avec le voisin en dessous. Il y a une grosse fuite d'infiltration. Oui, vas-y. C'est parce que les plombiers, ils sont passés hier. Et elle est où la fuite? En dessous, chez le voisin. Ah, ça veut dire que quand tu te douches, il y a tout qui tombe chez le voisin? C'est ça, voilà.
Il doit t'adorer. Oui. Et là, tu as marqué un message trop mignon. Oui. B, hashtag E, bien-être, bonheur. C'est ça. Avec des cœurs. Exactement. Donc, okay. On a des appuis quand je suis en crise. Ben voilà, ça sert pour ma sécurité, même là aussi pour rentrer, pour sortir ou pour maintenir. Et j'ai la chaise hydraulique de douche aussi au cas où si je suis en crise. Donc voilà. Comme on dit que les gens que je ne suis pas handicapée, je ne suis pas malade, ben vous voyez, il y a la preuve maintenant que. Comme ça, c'est pour les comités, bon, il y en a certains pour fermer un petit peu leur bouche, en tout cas. Donc ça, là, on va aller dans ma chambre. Donc c'est le thème hôtel. Ça a été fait, la chambre, en mois d'avril. Alors, je décide de faire montrer la décoration à la maison de Sam, comme le thème de ma chambre aux chambres d'hôtel 5 étoiles. Je suis capable de faire énormément de choses à la maison, prouver qu'avec mon quotidien, de mon handicap, tout le monde peut faire plein de choses, malgré la différence. Et tout est fait moi-même, donc ça veut dire perfos, montage de meubles et tout. T'as tout monté les meubles toi-même? Oui. Ça, la commode, le lit, les petites tablettes? Oui, c'est ça. C'est toi qui perces? Oui, oui. Il y a les marques de crayon encore. C'est ça, ouais, mais c'est caché, hein, c'est caché. Oui, c'est bien caché. Et pourquoi le thème hôtel? Le thème hôtel, parce qu'en fait, moi, comme je veux des déplacements à chaque fois pour les tournages ou quoi, les showcases et tout, je suis toujours à l'hôtel. Il y a un hôtel que j'ai trop kiffé, c'était la Normandie dans ma ville natale. Ils ont fait un hôtel 5 étoiles en fait. Et j'ai copié un petit peu sur eux parce que c'était bien pratique. Pratique en une petite pièce pour les tablettes, pourquoi? Parce que y a plus de place et pour faire le ménage et tout. Et ça évite de mettre des tas de lits sur pied en fait. Ok, oui, comme ça c'est libre en dessous. Tu nous montres le salon? Oui, il n'y a pas de souci. Après, si tu veux voir mon dressing, il n'y a pas de souci. Ah ouais, je veux bien. C'est ça? Vas-y, ouvre. Vas-y, ouvre. Je fais comme chez moi? Oui, comme chez toi. Alors déjà, il y a les petits strass, les poignées en strass. Ok, ah, normal, il y en a des fringues. Hein. Ok. Donc c'est été, hiver, t'as tout mis? Alors là, ici, j'ai un côté pour l'été, j'ai enlevé. Et là, c'est tout l'hiver. Donc voilà. Ok. Mais tu peux. Ah, ben celle-là, je peux? Vas-y. Celle-là, je la connais. C'est celle que tu avais mise en interview avec moi, là. Exactement. Celle-là. C'est mignon comme tout ça. C'est quand tu m'avais maquillée pour Halloween. C'est ça. Et il n'y a pas que celle-là. Il y a celle-ci aussi. Tu la connais? Ah, ben oui, celle-là, elle est culte. Ah, oui. Avant de juger les gens, il faut venir chez la personne avant de rabaisser les gens. Celle-là, écoute, c'est celle que tu avais mis pour l'interview avec où tu avais la longue perruque. C'est ça. Ouais, c'est vrai. T'aimes la mode, hein? Oui, j'adore la mode. Et le gros carton qui est au-dessus de toi, c'est les vêtements qui sont trop grands. Ça, c'est les vêtements. Ah, parce que t'as beaucoup maigri. Oui, c'est ça. T'as perdu combien de kilos? Je suis à 76 kilos et j'étais à 88 kilos. Ok, et tu mesures combien, Momo? Je fais 1m50. Ok. Bah, c'est bien, t'as vachement perdu. Oui, et j'étais contente parce que j'ai vu lundi le médecin. Et il t'a dit quoi? Et maintenant, il a vu que j'ai perdu encore 2 kilos. Il était content? Oui. Tu fais un régime? Non, un rééquilibrage alimentaire, je continue. Mais elle m'a dit que des fois, il faut que je fasse des pauses parce que sinon, je risque de perdre trop vite du poids. En tout cas, j'ai cru voir des petites viennoiseries que tu as préparées sur la table de ton salon. Je ne sais pas si ça fait partie du rééquilibrage alimentaire, alors, mais non, ça a l'air c'est bon. Pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour toi, Sam. Tout pour moi? Oui. Avec, mais t'es trop mignonne. Avec Marine, avec ton équipe. C'est l'équipe. Merci, c'est trop mignon. Soucis. Et tu nous accueilles magnifique. Chaleureusement, hein. Voilà. Chaleureusement, tout à fait. Alors, c'était très important pour moi de les bien accueillir comme dans un hôtel de luxe de 5 étoiles parce que moi, Sam, il m'accueille toujours à bras ouverts et chaleureusement à chaque fois que je le vois. Et moi, je voulais faire un petit peu plus chaleureusement aussi de ma part. Donc, Sam, tu as le choix. Alors là, tu as de la compote abricot. Là, tu as de la compote de poire. Voilà. Parce que toujours, rééquilibrage alimentaire. On ne se prive pas le petit déjeuner. Il est super important. Ah oui. Voilà. Bon, là, tu as les viennoiseries. Donc, je t'explique. Tu as croissant, pain au chocolat. Là, tu as chausson aux pommes, croissant, pain au chocolat aux amandes. Là, tu as des boissons de la journée pour vous. Donc, tu as Oasis, Coca sans sucre. Je sais que tu bois du Coca sans sucre. Et là, je t'ai mis des verres pour avec de l'eau si tu souhaites ou avec ta boisson favorite. Et c'est l'hôtel? Et oui, si, c'est l'hôtel. Hein. Voilà.
Ici, tu as les tasses pour les cafés. Donc, tu as le choix des cafés. Tu me dis quel café tu veux, soit thé. Je prendrais bien ce café. Café. Donc, là, c'est un café long. Et là, tu as en bout, tu as un expresso, mika et thé. Toi, tu veux quoi, ma petite Momo? Je finis, Sam. Et là, on a le sucre. Là, on a tes biscuits de lu au beurre. Et là, tu as les trucs que tu as mis, les lu à la framboise. Comment donc, tu voilà. sais? Parce que ce que le tu l'as vu la dernière fois. C'est ça. Et là, on a les chouquettes. Donc voilà. Et les chocolats qui viennent de Belgique. Et de Liège. Et c'est les abonnés qui m'ont offert. Et je dis, comme je ne peux pas manger le chocolat, je vous laisse déguster. Pourquoi tu ne peux pas manger le chocolat? Parce que j'ai des intestins irritables. En fait, je n'ai pas le droit avec la fibromyalgie. D'accord. Par contre, je peux manger un yaourt, mais je ne peux pas manger le vrai chocolat, en fait. Ok. Le yaourt, c'est pas vraiment le vrai chocolat parce qu'il y a des... tu vois, c'est du lait et de la poudre, voilà, de coco, vous voyez. Mais là, le vrai chocolat, je ne peux pas. Okay. Ah. Tu vas voir le médecin. Ok, oui. Pas de souci. Bonjour. Ah, ça va? C'est vous qui avez appelé? Bonjour, madame. Eh bien, Morgane, elle est superbe. Eh bien, elle est avec vous? Oui, on passe la journée avec elle. Elle est dans de bonnes mains. Elle est gentille, généreuse, tout ce que je peux vous garantir. C'est une fille canon. Elle est adorable. Attends, c'est à toi. Elle est adorable. Elle est adorable. Elle est très gentille. Elle est bien. Vous la connaissez bien? Ah oui, elle est bien. Très généreuse. Très, franchement, elle est là, franchement. Elle est sympa, ta voisine? Oui, hier, j'ai fait l'épilation intégrale de son visage hier. Ah! Voilà. D'accord. Je m'occupe d'elle parce que c'est une senior et en fait, elle n'a pas beaucoup de ses enfants qui viennent chez elle. Donc, c'est pour ça que je m'occupe de cette voisine. Et quand je suis partie au showcase, je l'ai fait un groupe à la côte du week-end pour qu'elle puisse manger. Donc, voilà. Mais t'es un amour, Morgane. Exactement. Mais moi, j'ai vécu la galère. Donc, c'est pour ça que je aide les gens en fait, qui sont en galère. On en parle un petit peu autour d'un café? Oui, il n'y a pas de souci. Et par contre, Sam, j'ai pensé à toi. Attends. T'es végétarien en plus? Sam, t'es végétarien? Oui, mais t'es un amour, mais c'est pas possible. Tu m'as pris des petits fruits à croquer. Oui. Mais c'est génial, c'est pour tout à l'heure ça. Oui, c'est ça, j'ai pris pour toi en fait. T'es un amour, je te le remets au frigo? Oui, si tu veux, tu connais la maison. Allez, je me permets. Donc installez-vous pour pouvoir manger avec nous. Et puis il y a les baguettes pour, avec la compote et tout, voilà. Donc, hop, voilà. On y va. Merci Morgane. T'as les cuits. Hop, une soucoupe. Et t'as ton sucre, le merci sucre. Merci Morgane. C'était extraordinaire. T'es d'une hospitalité incroyable. Il y a pas de souci, avec plaisir, Sam. Tu disais tout à l'heure, tu sais, quand ta voisine, elle est partie... Oui. Bah oui, je suis comme ça parce que moi, j'ai connu la galère, je sais ce que c'est. Quelle galère t'as connue, Morgane? Alors, j'ai connu la galère, en fait, quand j'étais en Normandie, c'était difficile à trouver du travail. T'as habité en Normandie? Oui, c'est ça, dans ma ville natale qui est Alençon. C'était difficile à galère parce qu'en fait, c'est une petite ville. Et la ville commence à mourir. Ça veut dire tous les magasins, toutes les entreprises fermées en fait. Ok. Et j'ai eu de la chance, voilà, on va dire, ancienne vie, voilà. Je me suis pu installer sur Paris et j'ai commencé à trouver du travail. Même, je sais, il ne faut pas le faire comme moi, comme j'ai fait. Moi, j'ai travaillé même au Black. J'avais pas le choix. Soit je travaillais au Black, soit je travaillais pas, mais j'étais à la rue. Tu travaillais dans quoi? Je faisais nounou. Ok, tu gardais des enfants? Oui, je gardais des enfants. Ils avaient quel âge? Ils avaient de 8 ans à 11 ans. Comment t'avais trouvé ce job? Sur une application. Une application qui est babysitter sur Internet. Okay. Et ça te permettait de gagner correctement ta vie? Ça a aidé pas à gagner correctement ma vie, mais à pouvoir garder ma maison et avoir un toit. Le principal, c'est du moment où j'ai un toit et pouvoir garder ma maison jusqu'à temps que la personne était de retour pour
X de raisons et tout. Et j'ai vécu la galère parce qu'en fait, quand j'étais jeune, il y a une, comme je disais tout le temps, il n'y a que ma maman qui m'a élevée en fait. C'est pas une jeunesse, c'était facile, on avait tout, mais du moment qu'on avait un toit et du moment que voilà. Mais j'ai failli être à la rue. T'as failli être à la rue quand t'arrivais sur Paris, c'est ça, enfin en région parisienne. C'est ça, j'ai failli être à la rue, c'est pour ça que j'ai connu vraiment pas beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup d'argent. Et maintenant, je suis heureuse maintenant de pouvoir aider les autres qui sont en galère. Et moi, l'argent, je sais que ça vient et ça part. Bah oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est toi, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est toi qui t'assumes. C'est-à-dire que oui, tu payes ton loyer, tu payes ta déco, tu fais ta peinture, tu te fais à manger, t'es responsable, en fait. Oui, je suis responsable. T'es une jeune femme responsable. La différence ne m'empêche pas de vivre, en fait. La différence ne m'empêche pas d'être sur les réseaux sociaux. Pourquoi je suis sur les réseaux sociaux? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que je veux faire montrer mon quotidien avec mon handicap. Une personne handicapée ne peut pas s'empêcher d'être sur les réseaux sociaux. Si vous n'aimez pas la personne, tout simplement, ne suivez pas la personne, tout simplement, et arrêtez de critiquer les gens, en fait. Vous perdez du temps, voilà, et vous perdez de l'énergie. En fait, c'est vu que mon enfance a été très difficile parce que j'ai passé... médecin et infirmière, une scolarité un peu difficile aussi, par laquelle que ben aussi j'ai vécu la galère, qui veut dire ben j'ai loupé la moitié de ma scolarité parce que aller voir tout le temps des spécialistes, qui veut dire pour la monotricité et aussi pour le langage aussi, et qui est le CESAD. Est-ce que c'est la craniosténose? Oui, c'est ça. Qui t'a créé des complications en termes de langage, etc. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais on est d'accord que, parce que tu m'avais expliqué, la craniosténose, ça t'empêche pas de travailler, non, de vivre. C'est juste un retard d'apprentissage et un tout petit peu de lenteur aussi. Mais je suis réactif. Ah bah. Ça, je confirme. Ça, je confirme que tu es très réactive. Bien plus que plein de gens, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais je suis toujours là de bon cœur pour pouvoir aider les gens, en fait. On se prend une petite viennoiserie? Oui, voilà. Vas-y, Sam, sers-toi. Merci, Momo. Sam, est-ce que tu as vu la vidéo du vlog de la Belgique, Bruxelles et Liège? Non, je ne l'ai pas encore vu. Alors, je vais te faire découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est les coulisses, en fait. Ok. C'est donc toi qui as fait le vlog? Exactement. C'est moi qui ai fait le blague sur une télé de 139 cm, 55 pouces, 4K, Ultra HD. Et la télé coûte 500 €. C'est toi qui fais les montages? C'est ça, tout. Moi je fais tout, moi. Ah, t'as marqué Vlog au lieu de Vlog. Ouais, c'est mais c'est pas grave. Mais à ce moment-là, j'étais fatiguée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Morgan Makeup, mettre un pouce, des commentaires en bas, activer la cloche notification et on vous fait rentrer la journée. Je vais prendre tout ça dans mon bidon. C'est ça. Mais t'es en rééquilibrage alimentaire, Momo. Ouais, mais je dis que c'est un extra. Showcase de ouf, un truc de malade. Tu as beaucoup d'extra? Non, parce qu'en fait, j'avais pas mangé le matin. J'avais pas du tout mangé le matin. J'avais pas du tout mangé le matin et j'avais très 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 faim. Alors, c'est pourquoi c'est très important faire attention à ce que je mange, parce qu'en fait, j'ai un traitement de fond qui est parce que je suis asthmatique. Il y a certains médicaments qui font grossir, comme la cortisone. La cortisone, c'est un médicament qui fait très grossir et par moments, j'ai failli passer dans le coma, et on a décidé avec les médecins de faire attention parce que je suis une petite taille, mais j'étais presque dans l'obésité morbide. Voilà. Voilà, et là c'est où il y a les platines. C'est là qu'il va tout se passer ce soir. Bien sûr, moi je serai sur là-bas, la scène ici, celle-là et au fond pour ce soin avec le micro. Et on a eu une mauvaise nouvelle. J'avais préservé le micro carcasse, mais je l'ai pas. Donc on va devoir faire. Il était loué en fait. Tu m'as improvisé.
ça criait tout le temps « Morgane, Morgane, je t'aime, je suis fan de toi !» Tu ressentais l'amour du public ? Oui, c'est ça. Et on sortait tous sur les téléphones, on passait tous sur les téléphones. Là, tu te sentais comment quand t'étais sur scène comme ça ? Tu te sens dans ton élément ? J'étais différente. C'est-à-dire t'étais différente ? Bah, pas comme d'habitude, en fait. Mais tu ressentais quoi ? Plein d'énergie, en fait. T'as un mot, t'es sexy, hein ? Ouais. Le public, c'était wow. Et ça, alors, c'est quoi comme pièce ? Alors, ça, c'est quelle pièce ? C'est... Normalement, c'est une chambre. Mais comme j'ai pas d'enfant pour l'instant, je l'ai mis en bureau setup YouTube. C'est le bureau de Morgan Makeup. Exactement. Vas-y, va derrière ton bureau. Vas-y, entre, Sam. J'adore. Mais attends, mais c'est que t'es organisé comme jamais. Mais attends, mais c'est de là où tu fais les make-up Avatar, Pikachu et tout. Tout se passe ici, les lives, les tournages pour YouTube et TikTok. Pas plus, pas beaucoup TikTok, mais plus pour YouTube. Mais attends, mais t'es équipé de fou. Alors, par contre, Sam, je vois que tu vois ici, c'est, je reviens de Belgique, on m'a offert ces peluches-là en mais Belgique. C'est magnifique, quand t'as au fait showcase. Et c'est ça, voilà. Alors, au showcase, j'ai fait venir 350 personnes, salle complète et tout. Hein. Incroyable. T'as mis carte blanche sur table. Et alors, attends, ça c'est quoi ? J'aime bien ça. Moi, j'adore les petits mots comme ça. Sourire, positif, le respect, sport, le partage, j'adhère, hein. À l'écoute. Attention à l'écoute. Pas de prout. pas de prout et pas roté. Pourquoi pas de prout et pas roté? Parce que ça a été des fois, je fais pas exprès, ça se fait ça en live sur TikTok. En fait, c'est tout ce que je dois pas, faire et pas faire. Voilà. Par exemple, quand tu marques une pièce dans la boîte, stress trop en live, stop en live, ça veut dire quoi? Ça veut dire une boîte dans la boîte. Si je dis un gros mot en live, on met une pièce dans la boîte. Ok. Et la confiance en soi. La confiance. Mais oui. C'est génial. Tu sais que moi j'ai des trucs comme ça à la maison. Ah bon, je ne savais pas. Bah oui, au bureau, je te montrerai, au bureau, j'ai un truc comme ça où je m'écris moi aussi mes petites choses et je le relis, je le lis tous les matins. C'est pas évident de s'y tenir. Donc là, tout ce qui est matériel pour faire la comptabilité, pour voilà, il y a beaucoup de crayons. Hein, calculatrice, hein. Pour faire la comptabilité, tu fais tes comptes là-dessus. C'est ça. Ok. Et là, c'est mon mode univers, tout ce qui est décoration pour les papiers et tout. Donc là, c'est... Mais attends, mais c'est que t'es organisé, hein. Et oui, c'est ça. Attends, mais il y a tous les costumes aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Incroyable. Là, t'en as des choses, Momo. Oui, oui, oh. Beaucoup de Et choses. Alors ça, c'est une photo Sephora ? Sephora, journée particulière de Sephora en octobre 2022. Et alors ça, attends, je suis choquée. Je peux le décrocher ? Oui. T'as un trophée YouTube, Momo ? Je l'ai fait maison là, avec les abonnés parce que normalement, YouTube, ils ne donnent pas un trophée à 1000... Eh ben non, il n'y a pas, normalement c'est à partir de 100 000 et après 1 million. C'est ça. Mais ben oui, il donne pas de... Toi. Mais en fait, c'est toi qui tu t'es fait ton propre trophée. C'est ça, voilà. Tu t'es fait ton propre trophée YouTube pour moi, oui. C'est trop mignon. Et bientôt, le deuxième fait maison pour les 10 000. Tu vas te faire ton propre trophée 10 000 ? Oui. Alors qu'ils n'existent pas. Exactement. Mais j'adore. Mais t'es génial. Presented... Non, vas-y, je te laisse l'honneur non, de vas-y, le lire. Non, vas-y, pas de problème, Sam. Presented to Morgan Makeup... For passing 1000 subscribers. Exact. YouTube. Oui. J'adore. Je trouve ça trop chou. T'as raison, j'aurais fait pareil. Je vais te le remettre. Ouais. Voilà. Après, voilà, je te fais montrer tout mon univers. Là, on a tout le même Alex. C'est là qu'il y a plein. Vas-y, tu peux. Je peux ? Vas-y. Mais attends, mais t'as du make-up, mais comme jamais, mais c'est pas possible. Tu t'appelles pas Morgan Makeup pour rien, toi. Mais c'est bien parce que je range par contre partie. C'est magnifique ce mascara. Oui. Mais attends, t'es vraiment une fan de make-up. C'est ça, ouais. Mais comme t'es professionnelle, tu devrais peut-être changer ton nom. Et t'appeler Morgan Makeup Pro. Il y en a des masques. Il y a des skincare. Mais t'adores ça, te chouchouter en fait. Hein? C'est ça. T'adores ça. Sauf, attends, ça. Moisturizing and cream. Oh, c'est mignon.
Mais c'est mais t'es trop mignon. Non, garde-le, ma chérie. Non, vas-y. Non, garde-le, je te jure, ça me gêne. Non, vas-y, je te jure, garde-le. Moi, je peux recevoir plein de produits encore. Parce que les marques, elles t'envoient des produits. C'est ça, il y a des marques et des collabs en ce moment et je reçois des produits. Et aussi qu'on m'offre des produits aussi, donc en retour. Ok. Aussi. Alors, pourquoi je prends tout le temps des cotons démaquillants lavables? Pour l'écologie et aussi pour la planète. Pensez à la planète aussi. Et c'est très bien parce que c'est réutilisable et vous pouvez tout le temps réutiliser. Et les mettre en machine. Exactement. Et là, c'est mon coin où tout ce qui est sale et pinceau, coton démaquillant. Sacrée organisation, je suis bluffée. Exactement. Et moi, j'aime bien, si vous voulez voir, le il n'y a que ça. Okay. Oui. Il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Et par contre, les torchons, c'est normal, il y a dedans, c'est parce que c'est pour nettoyer ma pièce YouTube, en fait. Et moi, je suis très, très maniaque au niveau l'hygiène. Si vous ne nettoyez pas votre pièce YouTube correctement, vous pourrez avoir des infections au niveau de la peau et tout. Donc, ça très strict au niveau ça. Écoute, moi qui suis hypochondriaque, c'est parfait. Exactement. Alors... Et là, vas-y, tu peux ouvrir le meuble. Okay. Je te laisse découvrir. Ok, mais c'est pas possible. Mais t'as encore 15 démaquillants, 48 palettes. Mais c'est pas possible, Morgan Makeup. Mais c'est encore. Ne me dis pas que c'est des palettes. Si, si. C'est pas possible. Ne me dis pas que tout ça, c'est des palettes. Si. Mais j'ai jamais vu autant de maquillage. Exactement. Encore ? Encore des palettes, Momo ? J'y suis. C'est le magasin. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 105. 105 palettes ? Oui, 105. Waouh ! Et là, on a une vitrine de parfums. Et là, on a une vitrine des pinceaux, le stock en bas. Et puis voilà. Là aussi, on a le stock des poudres libres pour fixatrices. Mais t'as peur de manquer, en fait ? En fait, je suis obligée de faire des rassorts. J'en ai mal à aller tout en magasin. Ah oui, mais là, t'en as pour 8 ans. Non. C'est pour 6 mois. Là, t'as pour 6 mois de produits d'avance. Exactement. Ah oui, le make-up, c'est un gros budget. Hein. Exactement. Et il nous manque avoir la cuisine. Exactement. La cuisine a été adaptée avec, pour les personnes handicapées. Donc, allez, on y va. Je vais vous expliquer tout ça. Je peux ? Vas-y. Mais elle est belle, ta cuisine. Elle est grande. Ah oui, par contre, elle est très grande. Avant, la cuisine n'était pas comme ça. Donc, c'est joli, ça, prune comme ça. Oui, ça fait un rappel de la salle de bain. Exact. C'est... Donc, c'est là où tu fais tes petits pensé, plats. Alors, ça, c'est couleur pensée, hein, c'est pas prune. Ah, ok. Couleur pensée. Couleur pensée. Oui. Et ça, c'est et là, ta buanderie. Et la buanderie de cellier et tout, tout ce qui est pour le linge et tout. Alors, par contre, Ferme, tu vas être choquée. Lundi, 6 machines à laver. Pourquoi ? Parce que le bac là, il était débordé comme ça. T'avais un peu tardé. Oui, j'avais tardé parce qu'entre le travail, entre les déplacements, je ne pouvais pas m'occuper de ma maison, ce n'était pas possible. Mais oui, c'est-à-dire qu'avec les prestations maintenant en boîte de nuit, t'arrêtes pas. C'est ça, voilà. Donc voilà la maison de Morgan Makeup. Si vous voulez voir un petit peu plus, n'hésitez pas à mettre ce que vous dire de s'abonner à la chaîne de Morgan Makeup. La chaîne aussi à YouTube de Sam Sierra. Mettre un pouce bleu, des commentaires, activer la cloche de notification à chaque fois une nouvelle vidéo. Bon Sam, je vais te laisser 10 minutes. Je dois aller me doucher, je dois m'habiller, me maquiller, mais je te laisse aussi le salon pour la pause petit déjeuner. Bah, t'es trop gentil. Merci beaucoup, Morgane. Il n'y a pas de souci. Et j'ai hâte que tu puisses revenir aussi, revenir à la maison, il n'y a pas de souci. Et bah, pour l'instant, je viens d'arriver. Exactement. Je suis là. Allez, je te laisse te préparer. Voilà. Bye. À chaque fois, je fais tout le temps la minute dans la douche et tout. Et c'est quoi, c'est vrai, tu donnes pour la touche, en fait, voilà. Et c'est quoi, c'est vrai que je suis tout le Tu voudrais que je te fasse un brushing après ? Ouais, il n'y a pas de soucis. Quand j'étais ado, je faisais tout le temps les brushings et les boucles à mes meilleurs amis. Ah ouais, je ne savais pas. Avant de sortir en boîte, c'est moi qui les coiffais. Ok. Ouh, il est chaud. Ça y est, t'as fini ?
Ouais, c'est mieux, parce que d'habitude, je ferme, je laisse la porte ouverte, parce que je suis asthmatique et vu avec la grume, c'est interdit de s'encombrer, mais là, j'ai trop chaud d'un coup. Donc aujourd'hui, j'avais envie mettre soit un jogging, soit pas un jogging, mais soit un jean, ou soit on part sur ça, mais il fait très froid, donc je vais partir sur ce... Lui-là. Ok, donc un jean. Un jean, voilà, parce qu'il fait très 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 froid. Et je vais partir sur un truc basique, on va dire débardeur. Très important, les débardeurs. Donc voilà, parce qu'en journée, je vais mettre le haut, le sweat de manche longue. Puis après, je prends toujours des sweats de manche longue parce qu'il fait tellement froid. Je dis bon, Sam, tu laisses choisir les sweats de manche longue. C'est vrai, moi j'aime bien le léopard là. Celui-là ? Ouais, ça. Ok. On va faire le je t'ai jamais vu avec en plus. Bah, je vais mettre le léopard. Donc voilà. Mais avec un truc classique parce qu'il fait. Ça, c'est pas. Ah, tu mets trois couches ? Oui, parce qu'en fait, c'est, regarde, c'est touche, c'est pas très 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 chaud, je crois. Ouais, là, j'avoue, c'est léger. C'est très léger, donc je suis obligée de mettre un truc de manche longue. En fait, et donc voilà. Et puis après, habillage. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je rentre plus facilement dans les pantalons, dans les vêtements. Et je te laisse deviner là, quelle taille je porte en pantalon, Sam. Quelle taille tu portes en pantalon là? Fais-moi voir. Mmh... 40 42. C'est bien. Sachant qu'avant, tu faisais quoi, du 46? 44-46. C'est vachement bien. Et c'est tout l'effort que je fais, le sport et tout. Là, tu flottes, là? Un tout petit peu, mais bon, ça va. De toute façon, j'ai de la marge et niveau pantalon, le ventre. Avant, j'avais un gros ventre et je pouvais pas m'asseoir. J'avais tellement mal au ventre, c'était trop serré. Et bon, ça m'a un peu bourré, c'est normal, hein. Bah, ça arrive, hein, j'en ai aussi. Hein. Voilà, j'ai un petit bout bourré, bon, c'est pas très grave. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir rentrer dans le pantalon, tout simplement. Exactement, voilà. T'as tout à fait raison. De toute façon, on est tous pareils, hein. Dès qu'on perd un peu, on est content. Par contre, Sam, tu vas être très choqué. J'avais le pantalon au showcase. Celui-là ? Non, pas celui-là. Il est où ce pantalon ? Je te laisse deviner ce pantalon-là. Quelle taille il fait ? Voilà. T'aimes bien faire deviner les tailles, hein, j'ai remarqué. Allez, laisse-moi deviner, c'est du... Mais je le vois. Je l'ai vu. C'est du 40. C'est du 40. Quand j'ai essayé là-bas, j'étais choquée. Je commençais à pleurer dans le cabinet d'essayage. Je me dis, c'est impossible, c'est du 40. Je regarde deux fois l'étiquette. J'ai pleuré parce que pour pouvoir retourner dans la taille avant du 40, c'est pas facile. Mais voilà mon combat, je rentre dans du 40-42, maintenant, c'est-à-dire que c'est pas vrai que j'ai perdu du poids, maintenant Sam va vous dire que effectivement il est vraiment très choqué en fait. Oui, parce que c'est difficile en vrai de perdre du poids, il faut beaucoup de motivation, et la restriction c'est pas évident tout au long de l'année. Alors ça c'est les vêtements avant. Ah, ça c'est tes vêtements que t'as enterrés? C'est ça, c'était des vêtements, voyez, regarde. C'est les anciens pantalons. Alors ça, tu nages là-dedans? Là, c'est mon ancien, je nage. Il y a celui-là aussi. Je nage. Tu vois? Oui, oui. Vous voyez, attends, on va se mettre là. Ici. Donc, vous voyez, ça, c'était avant. Maintenant, ça, c'est maintenant. Voilà. C'est là, ça c'est du 46 et là c'est du 40-42. Donc, on va dire, j'ai perdu énormément de poids. Ça c'est mon passé et ça c'est mon présent maintenant. Voilà. Et ces vêtements-là, je les garde au cas où s'il y a une prise de poids ou pas. Mais je crois pas que j'aurai pas une prise de poids. Et si je perds encore du poids, en fait, ces vêtements-là, ils vont partir à l'association. Ou dans une association, j'ai pas envie de les vendre, je vais les passer dans une association. Oui, comme ça tu leur offres une seconde vie pour des gens qui en ont besoin. Exactement. Et aussi j'ai des contacts de mes voisins et tout, parce que eux ils partent au bled, tu peux te dire par exemple en Afrique et tout, je leur donnerai pour eux en Afrique, voilà.
Bon, Hassan. Oui. J'ai une question. Oui. Ça te fait quoi de voir une personne qui a fait beaucoup d'efforts au niveau de la perte de poids, en fait? Toi, ça te fait comment de voir la personne entre un ancien vêtement et un nouveau vêtement? Ah bah, je sais à quel point c'est difficile de se restreindre tout au long de l'année. Je sais à quel point ça peut être frustrant de se priver, de faire des privations. Les privations, d'ailleurs, on dit souvent que c'est pas bon. C'est pour ça que tu as raison de parler de rééquilibrage alimentaire. Et moi, je suis content pour toi, parce que c'est une réelle victoire. Quand on a envie et qu'on est dans cette démarche de vouloir perdre du poids pour se sentir mieux avec soi-même, avec son corps, c'est une fierté. Donc, tu peux être fier de toi. Exactement. Et juste pour vous dire... Non, c'est bon. Juste pour vous dire, c'est qu'en fait, moi, je n'avais pas le choix. Soit c'était entre le coma, par ma vie. Pourquoi entre le coma? Parce que je vous expliquais pourquoi dans le coma, parce que je suis asthmatique. Et en fait, on a des médicaments, donc voilà. Et c'est des médicaments assez lourds. Donc, dans la partie suivante, cet après-midi, je vais vous montrer un petit peu passer quoi mes médicaments. En total, j'ai 4 ventolines. Donc, les ventolines, c'est de la cortisone, y en a un et tout. Et la cortisone, ça fait grossir. Maintenant, on a adapté à moi au niveau de mon traitement. Je suis fière. Avec ce traitement, je peux perdre du poids. Et maintenant, vous voyez la réussite, on a changé mon traitement, tout simplement. Donc là, Momo, tu vas faire un live TikTok. C'est ça, je vais faire un live TikTok. Ça veut dire que je vais me maquiller, mais aussi je vais te présenter toi aussi, Sam. Parce que j'ai dit à ma communauté que j'avais un invité surprise aujourd'hui. Allez. Donc voilà, je vais vous présenter le déroulement. Donc je vais me maquiller. Sam va faire mon brushing en plein live. Voilà. Ah, je vais faire ton brushing en plein live? Oui, c'est ça. Waouh, la pression. Ah oui, c'est le défi aujourd'hui. T'as un défi, j'avais présenté dans ma tête, putain, j'avais un défi. Voilà. Donc là, on fait les dessous d'un live Morgan Makeup. C'est ça. Ce qu'on a l'habitude de voir en gros sur TikTok, on va voir comment tu le fabriques. Exactement. Super, merci pour ça. Y a pas de souci. Eh ben, yalla, tu peux y aller quand tu veux. Donc le live va s'effectuer sur le compte Morgan Makeup YTB780 et on sera en direct directement sur le live. Donc là, je vais me connecter sur TikTok directement et je vais commencer le live. Bah, ça tombe bien, je suis déjà sur mon compte MorganYTP780. Bonjour tout le monde, bienvenue au live de Morgan Makeup. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne matinée. Bon appétit pour ceux, parce qu'il est midi 17, donc voilà. Coucou Sébastien. Coucou, salut, salut tout le monde, salut. Donc bonjour, aujourd'hui j'ai un invité surprise à vous faire montrer, mais j'attends qu'il y a beaucoup de monde avant de vous le présenter. Voilà, coucou Sébastien, coucou mon manager, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi. Alors, nous sommes à 979 et on va commencer le tuto make-up. Pour moi, parce qu'il faut que je me prépare. Mais j'ai un invité surprise, donc je vais vous présenter. C'est... Coucou tout le monde! Ça fait trop bizarre. Morgane m'a accueilli chez elle ce matin avec mon équipe. Alors, j'aurais besoin d'une chaise, s'il vous plaît, pour Sébastien. Pas Sébastien, pour Sam. Sam. Donc là, je vais commencer mon tuto make-up. Comme tout le monde, vous aimez bien que je me make-up et tout. Je ne mets pas de base, c'est normal parce que je n'aime pas les bases parce que j'ai la peau sensible et j'ai des réactions avec les bases. Donc voilà, je mets toujours le fond de teint de Fenty Beauty qui est Rihanna. Et je commence à mettre le fond de teint. Bonjour tout le monde, c'est quoi tes téléphones? Alors j'ai un Samsung Galaxy A50. Un Vivo Y16 et un Redmi 10 Note Pro. Donc voilà. Merci beaucoup tout le monde. Tu fais ton showcase à Lille? Non, pas du tout. On voit que ça donne quoi le make-up. Il est clair. Foot. Donc voilà. On est à 2300 personnes. Merci pour les tapotages. Merci pour les partages. Et merci pour tout le monde. Et n'hésitez pas à pouvoir... Oh, merci. Merci pour la rose. Donc voilà, et franchement je suis trop contente que tu sois à la maison aussi.
J'ai un peu ému, donc voilà. Alors, la poudre fixatrice, on va la mettre tout de suite. Mais j'ai oublié un truc, j'ai oublié l'anti-cerne. Je vais la mettre tout de suite, l'anti-cerne. Sinon, ça va sur les caméras. Il faut que je me bouge parce qu'après, il faut que je fasse à manger. On a beaucoup de choses aujourd'hui à faire. Il faut qu'on aille au magasin. Il faut qu'on fasse ça. J'ai le téléphone après le tournage. Alors, par contre, je mets l'anti-cerne dans mon yeux. C'est des catastrophes. Oh, aïe, 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 aïe. Et de faire trop vite, mais boum. Voilà. Alors, je mets la poudre fixatrice, c'est bon. Je mets la... Tout le monde rigole, mes bêtises. Oui, j'ai 26 ans. Je les ai eus il y a... il y a deux jours, voilà. Et moi, je veux te laisser, j'ose pas te déranger, tu non, vois. Non, non, si tu me déranges pas. Moi, le but, c'est de voir un petit peu comment ça se passe dans ton quotidien. Oui, je sais, mais Sam, ils veulent te voir parce que ça fait un moment qu'ils te réclament. Et, ah, t'as été chez Sam, non. Ah, moi, ça me fait bizarre d'être chez toi. Oui. Parce que d'habitude, on s'était vu dans le cadre une fois d'Aja et d'interview. C'est ça. Après, moi, je te regarde forcément comme beaucoup sur... Sur TikTok et YouTube. Et YouTube. Tu vas me chercher le deuxième tiroir à un bronzer. Ok. Le bronzer, tu sais. Tu veux lequel? Non, bronzer. Là. Ouais, non, au fond. Ça? Ouais. Non, tu prends dans le bac. Je vais prendre un dans le bac. Ouais, c'est bon. Tu l'as? Ouais, merci beaucoup. Je suis ton commis de make-up, en fait. C'est ça. Parce que, en fait, normalement, j'avais oublié mon bronzer dans... Parce que ça, c'était ma trousse pour l'aller au showcase. J'avais oublié mon bronzer. Il y a des questions qui disent, il faut quoi, Sam, chez Morgane? Un 24 heures avec. C'est ça, 24 heures, en fait, c'est un... Bah, c'est un vlog 24 heures, en gros, on va dire comme ça. Non, je suis pas en otage, je vous rassure. Je vois des commentaires qui disent le pomme. On dirait qu'il y a un otage. T'imagines... Help! À l'aide! Aidez-moi! Non, tout va bien. C'est un amour. Elle nous a lâché avec mon équipe. Elle nous a trop bien accueillis, comme beaucoup m'ont jamais accueilli. Coucou, The Rebel Bleu. Alors, là, j'ai fait le fond de teint, la poudre fixatrice, l'anti-cerne, la poudre, le fond de teint en poudre, le bronzer. Et il manque juste le blush. Il y avait un commentaire trop drôle. Sam, si t'es en danger, cligne des yeux. Tu peux me donner la grosse palette que tu m'avais proposée? Je suis ton esclave, en fait, aujourd'hui. Je suis désolée. Je peux pas me lever, en fait. Mais je plaisante, ma petite chérie. Il est où? Deuxième tiroir. Deuxième tiroir, ok. Le grand. Ouais. Ça? Non, le grand blanc. Mais t'en as 40 000 des palettes. C'est bon, tu l'as. Tu l'as? Essence. Ok. Merci. Oui, je suis un peu directive parce que je suis comme ça et je suis une personne qui est très directive. Pas vraiment directive, mais bon, je pouvais pas me lever parce qu'il y avait Sam à côté de moi. Et bon, après, Sam était à côté du meuble. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît, me rendre un service? C'est juste un rendre service, c'est pas un directive. C'est juste que moi, je suis organisée, je suis pas ordonnée, tout simplement. Non, mais j'aime bien aussi embêter Sam. C'est vrai. On rigole beaucoup, même en tournage, hors de caméra, on rigole beaucoup. Mais là, c'est la vie. Mets des paillettes, Kevin, dans ta vie. Donc voilà, tout simplement. Et là, je vais passer aux choses sérieuses, les yeux. Fenty Beauty, la palette. Fenty Beauty, hop. Tac, tac. Marine, elle est morte de rire derrière la caméra. Tu sais, je vois le téléphone, je te vois. Je vois le caméraman derrière le téléphone, je vois Sam. C'est parce que tu vois pas ce que Sam y fait, il cligne des yeux. Parce que je réagis aux commentaires, ça me fait rire. Les gens disaient bien, il cligne. Je trouve ça trop drôle. Ouais. Alors Sam, tu en penses quoi de la décoration de mon arrière-plan? De ton arrière? Ah, ça? Oui. Et ben c'est une sacrée décoration. Hein. Je me dis, pour faire le ménage, ça doit être galère. Hein. Le ménage, ouais, je sais, c'est une galère. Mais bon, après, moi, le ménage, t'inquiète, c'est habitué.
Tu penses que t'en as pour combien de temps là, ouais, à te maquiller? Pas beaucoup de temps, je fais ça juste... Tu penses que t'en as pour longtemps? Ah ouf. Tu m'as dit oui. Oui, je pensais que c'était les factures. Ils ont tous rigolé. Non mais c'est pas vrai, c'est pas SOS, c'est juste qu'ils vous font. Mais oui, c'est une blague, c'est une blague. Mais il y en a qui seraient capables vraiment d'appeler la police. C'est une blague. Il y a marqué t'es débutante. Alors, non, je suis pas débutante, je suis professionnelle. Ok, si quelqu'un qui serait pas reproduire un maquillage comme ça, et ben voilà. Toi t'es débutante, tu sais même pas reproduire. Alors, balaye ta porte. Merci, au revoir. Le rouge. Ça, je sais, SOS. Alors, les gens, je vais devoir vous faire vous laisser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'as vu ça, mon lait à 6600? Oui, oui. C'est de quoi, GMT? Attendez, je suis mort de rire. Non, 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 c'est pas un rire forcé. Là, il m'a fait un truc de malade. Bon. Au revoir à tout le monde à 600 600 K. Merci à tous. J'étais mort de rire parce que ben Sam disait SOS mais que c'était pas vrai. C'est tout, c'était juste pour une blague et les gens de la communauté dans le live, tout le monde a commencé à être mort de rire tout simplement. Bye bye. Bisous. C'était trop drôle. Non mais c'était trop drôle. Tu l'as pas pris mal le SOS, hein, je rigolais. Et, mais attends, mais c'est beaucoup, t'avais 7000 personnes. T'as 7000 personnes quand tu te maquilles? Oui, des fois au plus. Donc là, c'est pas, tu penses que c'est parce qu'on a joué le SOS et tout? Non, 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 pas du tout. Mais c'était un sketch là qu'on a fait en fait. Oui, c'est ça, un sketch. Mais de toute façon, on rigole tout le temps en live. Et Morgane, bon go. Parfois, tu sais ce que tu fais. Oui. Souvent même. C'est ça. Tu sais ce qui plaît. Oui. T'en as conscience. Oui, oui. Et tu donnes ce qui plaît aux gens. C'est ça. Je m'adapte au plus vite. Ça, ça chauffe très vite. Oui. Ok, alors d'abord, je te sèche les cheveux. Alors, Momo, on fait quoi? Bah oui, mais en même temps, comment tu veux que je sèche? Attends, voilà, comme ça. Ça, il est professionnel, hein, ton sèche-cheveux. Hein. Ouais. Là, t'as les cheveux presque secs. Ça va, c'est pas trop chaud? Non. C'est super dur. Ça va, c'est presque sec. Tiens, vas-y, finis. Ah, ah. Attends, attends, Sam. Protecteur. Ouais, nickel. Il y avait un ongle dedans. Oh là là. Karine, elle est toute rouge. Je suis morte de rire. Tu sais que ça, quand j'étais ado et qu'on sortait en boîte de... Quand j'étais ado et qu'on sortait en boîte de nuit, c'est moi qui coiffe... Ah, c'est de moi, Sam. C'est moi qui coiffe... Mais attends, je fais pas mal, Momo. Mais si, ça fait mal, attends, j'ai des nœuds. Comme... Alors... Non, non, je sais. C'est moi qui coiffais mes meilleurs amis. Je leur faisais des boucles et tout. Alors vas-y, fais la brosse. Bah attends, tu fais plus fort que moi. Hein. Mais moi j'ai l'habitude, mais quand c'est quelqu'un d'autre, ça fait encore beaucoup de mal.
Quand il s'est mis à brosser les cheveux, oui, en fait, ça m'a fait un petit peu mal. Mais en fait, j'aime pas trop me faire coiffer par d'autres personnes quand il y a beaucoup de nœuds. Parce qu'en fait, j'ai une cicatrice à cause de ma craniosténose. Donc voilà. Qui aurait cru qu'un jour je te coifferais? Ok. Bah, tu m'as déjà fait l'autre interview pour Halloween. C'est vrai. Ok, on fait des boucles? Ouais, j'ai des Wild Ways. Ça, je le faisais tout le temps à mes meilleurs amis pour sortir en boîte de nuit. J'adorais ça, j'adore faire les boucles. T'aimes bien, toi, te faire coiffer? Je crois que c'est une mauvaise idée que tu mettes ton mascara là en même temps. J'ai l'habitude. Ah ouais, t'en as dû mettre plus sur ta paupière, non? Non. J'ai l'habitude parce qu'en fait, quand j'ai au showcase, t'as pas le choix de faire multifonctionnaire. On va dire multi-choses en même temps. Tu sais que j'adore ça, faire des boucles. C'est un truc de fou, j'adore ça. Tu fais les boucles de Marie-Antoinette? Mais c'est parce qu'elles vont se détendre après. Ah ouais, avec détendre un coup de brosse et ça se détend. Et oui, ça se détend. Oui. Je les fais serrer volontairement au début. Pour que ça tienne toute la journée. Pour que ça tienne bien. Après, on mettra un petit coup de laque. Ok, ça va, je te redis si c'est bon pour moi. Mais c'est que maintenant, il y a tout le monde qui te veut en interview. C'est ça, ouais. Mais moi, je ne vais plus en interview parce qu'en fait, je suis trop débordée. Ah oui, t'as plus le temps. Et non. Sauf pour moi. Tu réponds pas. Elle écoute pas. Si, si. Non, elle répond pas volontairement. Coucou à toi. Oui, merci beaucoup pour le soutien. Je te souhaite une agréable bonne journée et fais attention à toi. Merci bien. Donc là, tu profites d'avoir un peu les mains libres que je te fais les boucles pour répondre à tes vocaux. Oui. T'en as beaucoup comme ça? Oui, oui. Mais moi, mes meilleures amies aussi, quand je leur faisais, elles ressemblaient à des balais sur le coup, mais après, après, je te promets que c'était pas mal. Parce que ça tombe après. Il faut un peu les brosser pour les assouplir. Au moins, tu vois, je rigole pas, c'est des boucles. Moi, tu me demandes des boucles, je te fais des boucles. Et les gens, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont payé pour venir te voir? Pour le showcase G4, oui, hein, ils ont payé. C'était combien l'entrée? 5 euros première heure. Et deuxième heure, 10 euros. Mais par contre, moi, j'ai hâte de pouvoir revenir à Wilson. Ah ouais, bah écoute, c'est les clients aussi, parce que... D'ailleurs, je crois que là, j'ai répondu encore hier à des messages sur la page de Windsor de fans de toi qui demandaient... Parce qu'il y avait des photos et des vidéos que des gens avaient. Et ils demandaient s'ils pouvaient les avoir. Enfin, c'est un truc de fou... Je trouve que tu nous as tués, t'as tué le Windsor, t'as tué notre page avec le nombre de messages qu'on a pu recevoir. C'est un truc phénoménal, les gens sont fous et ils veulent, enfin, limite ils nous demandent quand est-ce que tu reviens, quoi. Mais est-ce que ce qu'on avait dit, ce serait mieux en 2024, en avril? Enfin, tu sais, faut répondre à tout le monde sur la page Instagram, mais c'est pas évident, quoi, on n'arrive pas à gérer. On est vraiment beaucoup sur le téléphone. Bah bon, ça va, on a... Lire, on sait comment... On sait que c'est géré, on y arrive. Ouais. Bah après, voilà, c'était une magnifique soirée. Je te dis, moi j'avais vu la boîte aussi remplie. Ok. Il y a longtemps, je te dis, c'est la première fois que je voyais la boîte ainsi, même ma fidèle ne l'a pas remplie ainsi, quoi. Donc voilà, écoute, de toute façon, au moins, t'es au courant... sur comment ça se passe. Ah, par contre, moi, la prochaine fois, je viens, moi, il faudra plus de sécurité. Hein. Là, la sécurité que j'ai eue, c'était pas assez, hein, je te le dis. Hein. Il avait... Ah, oui, on en a perdu un, hein. Je sais pas si t'avais été au courant. Comment ça, vous avez perdu un? En fait, donc avant qu'on arrive, il y en a un de la sécurité qui s'était fait arrêter. Merde! Enfin, tout le monde dévoilait une photo avec toi, ça arrêtait pas de créer Morgane partout. Enfin, pour moi, c'était magnifique. Moi, par contre, la prochaine fois que je viens à Wilson, moi je vais en solo. Hein. Moi je te le dis. Hein. En tout cas, je te laisse, je te dis à plus tard. Dis à Olivier qu'il m'appelle dans la journée ou soit demain. Bonjour avec toi et bonjour à Sam, j'ai vu que t'étais avec, je regarde un peu le live. Ah bah tiens. Bonjour, c'est Sébastien? Bonjour. Non, c'est pas Sébastien, c'est. Ok. C'est. Tu sais plus son nom? Non, je me rappelle plus. C'est Julien. C'est Julien, c'est. L'employé de Olivier, tu sais, le patron. Eh ben, enchanté, Julien. Tiens, prends le téléphone. Enchanté.
Enchanté. Une bonne journée à vous. Eh ben merci beaucoup également. Bonne journée. Au revoir. Merci Julien, bonne journée à toi. Non, c'est Marc. Non, c'est Julien. Mais je sais. Alors, le résultat, moi, j'aimerais que tu te vois, Momo. Attends. Franchement, le résultat... Mais t'as pas regardé? Ouais, mais moi, je le vois sur mon téléphone. Franchement, le résultat, il est impeccable. Alors, les boucles de Samzira? Elles sont magnifiques. Elles sont belles? Désolée, j'étais au téléphone. Hein. Je dis pas elles sont magnifiques et après, en live, tu diras il m'a mal coiffé. Ah hein. Oui, tu fais pas comme avec ma maquillage, tu dis pas que je t'ai saccagé les non, choses. Non, mais j'aime bien. Et puis, même quand j'ai vu l'extrait de bientôt la vidéo entre pour nous deux à l'interview, j'ai vu les cheveux, ils étaient trop bien faits. Oui, mais là, j'ai eu le temps de le faire. Oui. La coiffure était parfaite, j'ai trop aimé. Et quitte un jour, s'il veut me recoiffer, il n'y a pas de souci pour les autres interviews chez lui. Sam, t'as faim? J'ai un petit creux, j'avoue. Tu veux un petit creux? Tu veux les trucs crudités comme t'es végétarien, on attend que je fasse à manger? Oh non, je vais attendre. T'as prévu de faire quoi? Là, j'ai prévu... T'as vraiment faim enfin ou pas? Un petit truc léger. Oui, c'est un truc léger en fait. T'es débordé, hein? Oui, bonjour. Ouais. Allô, maman? Oui, allô? Oui, allô, c'est qui? Ça, c'est des coups. C'est qui? Ça, c'est des coups de téléphone. Non, c'est pas le téléphone de Morgane. Pourquoi ils te font ça, les gens? C'est pas Momo? Bah non, c'est pas Momo, non. Ils te font des coups de téléphone? Oui. Attends, mais c'est incroyable. Les gens, comment ils ont ton numéro de téléphone? Je sais pas. Ils te font des coups de téléphone, ils t'appellent comme ça juste pour t'avoir? Oui, je sais pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone. Ok, et toi, tu réponds, tu dis quoi? Bah des fois je réponds pas et des fois je suis obligée de répondre parce que je sais pas si c'est une collab ou pas. Et oui, tu pensais que c'était professionnel. Voilà, voilà. Si tu veux un petit creux. En cuisine? Oui, en cuisine. Allez. Voilà. Là, pas. Vas-y. Je vais faire. Oui, allô? Oui? C'est toi, maman? Oh là là, y a pas de Morgane, tu cherches quoi? Bah elles ont quel âge? Vas-y, salut. Bloque-les, hein, Morgane. Ouais. Ah, je suis obligée tout le temps de signaler, je reçois des appels, mais tout le temps, ça m'énerve, ça me gonfle. Je sais pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone. Ils croient que c'est la fête, la villa et tout. Franchement, moi, si j'aurais votre numéro de téléphone, j'aurais pas appelé les gens, en fait. À un moment donné, faut faire la part des choses. Ouais, voilà, je reçois un côté de répondeur. Nouveau message. Hier à 17h50. Bonjour Morgane Makeup, je suis super fan de toi. Est-ce que tu pourrais me faire une dédicace? Dédicace à Tintin et Mathéo, s'il te plaît. Pour rappeler, tapez 5, effacez. Aujourd'hui à 8h44. Oui, bonjour, c'est Sephora, c'est pour faire une collab. Pour rappeler, tapez 5. C'est faux. Mais non, c'est faux, Momo. Là, il se fout de ta. Aujourd'hui à 12h57. J'ai pas envie d'aller dire. Mais ils sont incroyables, les gens. Faut que tu changes de numéro, maman. Je peux pas changer de numéro. Parce que je suis. Mon numéro, il est donné sur les partenariats, sur les entreprises et je ne peux c'est pas. C'est le pro ou le perso? Pro. On va en cuisine? C'est ça, on va en cuisine. Allez, un dîner presque parfait maintenant qu'on exactement. A fait relooking pour une nouvelle vie. C'est ça. Aïe. Aujourd'hui, bienvenue dans la cuisine de Mogué Makeup pour un dîner presque parfait. Sam, objectif, m'a donné un défi aujourd'hui. Comme je ne mange pas végétarien, c'est un plat végétarien léger. On a besoin de quelques ingrédients. C'est quoi les ingrédients? On a besoin des pâtes. Il y a 1 kg de pâtes. On a besoin d'une crème fraîche. Donc c'est une crème fraîche légère, 15% de matière grasse. Voilà, 2 tomates, voilà, des tomates cerises, on ne sait jamais si on a passé de grandes tomates, et des champignons fraîches. Donc voilà, et on va commencer par l'étape. Et surtout, ne pas oublier quoi? De mettre du sel. Alors, surtout, je ne mets pas de matière grasse dans les pâtes parce qu'on a déjà de la crème fraîche et déjà la matière grasse,
La crème fraîche est déjà une matière grasse, déjà. Et je mélange un peu. Elle a main légère, hein. Alors oui, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai travaillé pendant 6 ans dans la restauration. J'ai un CAP agent polyvalent de restauration. Donc c'est pour ça que je maîtrise la main dans la cuisine. Donc voilà, tout simplement. Là, je vais passer à la découpe de mes tomates. Toujours laver vos légumes avant de pouvoir faire la découpe. Alors, je vais vous faire montrer une méthode. Ne pas mettre la main comme ça. Il faut mettre la main comme ça. Donc ça veut dire la main, il faut qu'elle soit toujours comme ça, positionnée comme ça pour la sécurité, pour pouvoir faire attention avec la découpe du couteau. Donc je vais prendre ma tomate comme ceci. Je vais couper l'extrémité. Là, je découpe en filaments émincés les tomates. Toujours avec mon doigt en sécurité. Sinon, si vous mettez le doigt, vous coupez rapidement les doigts. Et après, c'est à l'hôpital direct. Donc, vous mettez vos doigts en toute sécurité. Il faut que le couteau frotte la peau. Pas les doigts comme ça, toujours la sécurité. C'est très important ce que je vous dis parce que la cuisine c'est très bien mais il y a une sécurité à respecter en fait si vous voulez pas vous blesser tout simplement. Alors je vous juste pourquoi j'ai appris la sécurité comme ça, c'est que j'ai travaillé aussi en tant que stagiaire plusieurs fois dans des cuisines gastronomiques et avec des chefs étoilés avec le petit Vatel qui a actuellement 5 étoiles. Et d'autres restaurations comme aussi j'ai travaillé au club Valmorel, le club Valmorel mais en tant que serveuse. Mais ça arrivait des fois que je faisais la cuisine pour les aider en fait. Ça arrivait parce que des fois ils n'avaient pas assez d'employés en fait. Il y en a qui étaient malades et il fallait remplacer et tout. Donc moi j'ai toujours la main forte pour la cuisine en fait. C'est pour ça qu'on me demande toujours, Morgane, pourquoi tu cuisines tout le temps des produits frais? Pourquoi tu n'achètes jamais des produits congelés? C'est très rare d'acheter des produits congelés quand j'ai vraiment pas le temps, quand je travaille fort. Et voilà. Par exemple, il est 22h, je dis, oh mince, j'ai oublié de manger, bah, je fais un truc vite fait à préparer surgelé. Mais quand il y a des invités, je fais tout le temps des produits frais, toujours. Ah oui, par contre, on va dire, mais pourquoi Morgane, tu sors tout le temps les casseroles, pourquoi tu ne réduises pas les mêmes? Bah vous voyez, parce qu'en fait, je ne fais pas la vaisselle à la main. J'ai un lave-vaisselle, 12 couverts. Donc voilà, là ce que je vais faire, je remets les tomates dedans. Et je remets un petit peu de tomates aussi, ceux-là. Un petit peu les tomates cerises. Et le reste, je vais laisser pour la dégustation apéritif parce que comme Sam, il est végétarien, donc il faut penser aux personnes qui sont végétariennes aussi. Donc voilà. Donc je vois que mes pâtes, elles vont bien tout être cuites. Et par contre, c'est pas de l'huile de tournesol, c'est de l'huile de colza, c'est moins gras. Voilà. Juste, faire montrer la bouteille, tout simplement. Je mets sur le feu. Voilà, je remélange mes champignons tranquillement. Je vois que mes champignons bientôt vont être cuits. Là, mes pâtes, c'est pareil. Je mélange, sinon ça va pas couler. Mais ça risque de couler avec les autres pâtes. Donc là, d'ici les pâtes, dans 5 minutes, ce sera prêt. Et là, la crème fraîche, je la mettrai à la fin dans une grande poêle. Dans une grande poêle que je vais sortir. Parce qu'hier, j'ai fait le lave-vaisselle dans une grande poêle comme ça avec les pâtes, les légumes et avec la crème fraîche tout mijoté en mettant sel poivre et ce sera parfait.
nana. Voilà. Je mets un peu d'huile pour pas que ça soit trop... que ça colle, voilà. Un fil d'huile. Voilà. La sauce tomate, vous pouvez le garder quand même. Hein, parce que ça sert, parce qu'il y a déjà de la matière grasse. Donc voilà. C'est léger, voilà. Simplement. Et je verse tout le reste. Dedans. Je mélange très bien avec tous les légumes. Alors oui, c'est vrai, ça va pas être de main morte, la crème fraîche, parce qu'en fait, il y a beaucoup... Ça va ? Il y a beaucoup de garniture. Donc c'est pour ça que je vais devoir en mettre beaucoup plus. Je mets tout le pot parce que vu qu'il y a beaucoup de garniture. Et d'habitude, je mets la moitié du pot. Et en toute légèreté, et c'est léger. Voilà, tout simplement. Hop, je mets un peu de poivre. Le sel. Et je mélange tranquillement avec ma... Je tiens, mets la poignée et je mélange tranquillement. Voilà. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent hyper bon. Et ça va mijoter tranquillement pour avec la sauce et les pâtes et les légumes et les tomates et les champignons. Donc là, on va laisser mijoter 10 minutes. Tranquillement, et après à la dégustation, et puis on se dit à tout à l'heure. Je décris le plat que j'ai fait, on va dire léger, équilibré, et vraiment j'ai eu des bons retours au niveau de ça. Ils ont tous aimé, et franchement, ils ont dévoré le plat. Bon bah vas-y Sam, bonne dégustation, c'est faire un plat végétarien comme tu me l'as demandé. Tu m'as donné un gros défi aujourd'hui, tu sais que je ne mange pas végétarien. Et bon certes Sam m'a dit de mettre la crème fraîche comme que, tu me l'as que dit. Que tu pouvais oui. Que je pouvais, parce que normalement de base la crème fraîche eh ben, c'est un produit laitier animal oui. Et c'est pas végétarien. J'en mange pas chez moi, mais par contre chez les autres quand ils cuisinent avec la crème fraîche je vais en manger. Mais après c'est parce que je suis aussi intolérant au lactose un peu. Ok. Donc voilà, bonne dégustation. Ça. Merci Momo. C'est léger ? Oui, c'est très léger. Hein. Ok. Eh bien, on va goûter. Oui. Je vais te dire, je vais te donner une note comme dans le dîner presque parfait. Ok, ben commence. Allez, je prends un petit champignon. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Essaye de manger avec la tomate. Et tu fais ça souvent ? Oui, je fais souvent avec la... tout le temps. Tout le temps ? Tout le temps, ouais. C'est bon ? Parce qu'en fait, je vous explique pour la rééquilibrage alimentaire, je reviens dessus. Il ne faut pas manger que simplement les pâtes, il faut accompagner avec des légumes en fait. Parce que si vous mettez que des pâtes, eh ben, c'est comme ça que vous allez prendre du poids. Il faut varier avec le féculent et les légumes en mettant. C'est pour ça que si tu mets des petites tomates cerises... Ça va. Exactement. Voilà. Allez, bon appétit, Momo. Bon appétit. Équilibré parce qu'il y a, il y a des légumes dedans. Et la féculent, et c'était vraiment très, très léger. Tu trouves, toi, que tu as vachement évolué depuis surtout le showcase ? Beaucoup. Je suis encore dans un nuage. Je ne me reviens pas. Je me dis, est-ce que c'est un rêve ou c'est une réalité ? Et mes managers me disent, non, Morgane, c'est une réalité, ce que tu as fait. On est tous choqués. Même tout le monde est choqué parce que j'ai fait un gros show et je pensais pas être différente. Parce que d'habitude, moi j'ai mes habitudes et là j'ai changé le verdicorps de mes habitudes et je n'ai pas eu l'habitude d'aller en Belgique. C'est vrai que certes j'ai un peu stressé, mais je me dis, bon bah, on va dire, j'ai fait plaisir à mon manager et j'ai fait plaisir à mon producteur. Et franchement, même mon producteur, pour vous dire, je vais dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Morgane, j'étais choquée, tu m'as ouvert vraiment les yeux et tu as su dépasser ton objectif et comment dire, bah, ta situation de ton handicap.
Et on, certes, je redis, les personnes handicapées, ce n'empêche pas de vivre son rêve et de vivre à fond dans ses projets. Et en tout cas, soyez indulgents envers les personnes différentes, en tout cas. Timo, c'est quoi la suite du programme après? Tu voulais qu'on fasse un TikTok? Alors, la suite du programme, ce sera un live de tournage pour une marque américaine. Ok. Et après, au centre commercial. Et pourquoi tu veux qu'on aille au centre commercial? Pour acheter un vêtement, juste acheter un vêtement, soit un haut ou un bas pour le showcase dans une semaine. Ah, t'as un autre showcase dans une semaine? Oui. Voilà. Mais t'es ultra booké. C'est ça, je suis ultra booké en fait. Ok, et eh ben on va t'accompagner. Oui. Alors faut qu'on prenne des forces, allez, yalla. Exactement. Yalla, yalla, yalla. Sam, parce qu'il a pas beaucoup mangé de pâtes. Pourquoi? Parce qu'il avait pas très faim, il a déjà mangé beaucoup de viennoiserie le matin. Il est venu. La Momo, tu m'emmènes où? Je te emmène au centre commercial, qui est à 10 minutes à pied. Et on y va. Et j'espère que je vais découvrir quelques lieux, quelques magasins. Mais on va pas rester trop longtemps. Il s'appelle comment ce centre commercial? T'es une star! Fais leur coucou! Ça t'arrive souvent ça? Oui, tout le temps, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, même au centre commercial c'est pareil. Dès que tu marches comme ça, les gens ils sont hystériques, ils disent Morgan Makeup et tout? C'est ça. C'est vrai? Et comme vous expliquez, ben, c'est tous les jours comme ça. Mais après c'est grâce à eux qu'on a la visibilité aussi. On allait au centre commercial et je vois un groupe d'enfants et, parce qu'ils ont été à l'école et ils me crient Morgan Makeup, Morgan Makeup. Oui, je sais parce que j'ai vraiment du succès sur les réseaux sociaux et on allait chercher la robe pour le showcase dans une semaine. C'est un centre commercial qui est à 2 étages, voilà, qui fait plus de 100 mètres carrés. Et il y a des nouveaux lieux, il y a des nouveaux magasins qui a été... Mais bien sûr que ça fait plus de 100 mètres carrés, mon gros. Non, parce que ça a été pas longtemps encore raménagé des travaux. Ils ont remis des nouveaux restaurants et puis voilà. Des fois c'est un peu complexe, des fois on a besoin d'être libre, en liberté, mais des fois on peut pas en fait. Donc c'est ça être une influenceuse de qualité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube. Et je fais la performance en ce moment et je suis dans les tendances. Donc voilà. Bon alors Momo, tu veux quoi pour ton showcase? Alors j'hésite entre un paille ou un haut en fait. Ok, ça t'aime pas les petits trucs comme ça, les jeans avec le strass, c'est mignon? En fait j'aime bien, mais le problème il n'y a pas ma taille, je suis déjà venue plusieurs fois, mais il n'y a pas ma taille, et normalement c'est une taille L que je veux, mais il n'y a pas ma taille en fait. Toi c'est du L, donc ça correspond à du 40, c'est ça? C'est ça, ouais. Attends, là c'est du 36, 34... Après souris passée sur 40. Ah, 40. Tu veux voir? Ouais. One size. C'est joli ça. Pour le showcase. Ben moi j'aime bien ce style, c'est festif. 40 ou 42? On va prendre 42, on ne sait jamais. Je demandais au monsieur. Ouais. Donc voilà, après, après on a des nouvelles collections. Et s'il n'y a pas le pantalon à ma taille, c'est pareil, je vais passer sur les hauts en fait. Ok, il a plus de 42. Et ben il n'y a plus de 42, ben je vais passer sur les hauts en fait, c'est pas grave. Ça c'est joli. Ouais. T'aimes bien, c'est ton style ça? C'est mon style. Après, j'aurais pu changer un peu le style. Avec un petit jean. Là, t'as les pantalons, les leggings en cuir. J'en ai un déjà eu comme ça, tu sais, en beige. T'as déjà porté? Ouais, il est là, il a le beige. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Quoi? Tu regardes de ton côté, tu choisis ton look. Et moi, je choisis un look et tu l'essaies. Et on voit lequel est le mieux. Ok, à partir d'ici. Allez, vas-y. J'essaye de trouver un haut. Parce que les bas, en fait, j'en ai déjà en fait, et peut-être un haut mignon qu'on pourrait trouver. Mais je serai partie sur du satin. Mission, trouver une tenue pour le prochain showcase de Morgan Makeup. Donc on va voir ce qu'elle déniche de son côté. Moi je vais essayer de regarder ce que je pourrais lui faire porter. Et pourquoi pas partir sur une robe? Moi je la vois jamais en robe Morgan. Franchement je trouverais ça super joli. Du rose comme ça, ça c'est sympa.
sympa ça. Je la vois jamais en robe, elle met jamais de robe Morgane. Pourquoi pas? Oh my god. Je voudrais même essayer ce pull là. Celui-là avec les manches. Ce pull là et ce pull là. Je serais partie avec une veste comme ça. Voilà. Mais bon, après je sais pas trop donc. Rose, il y a aussi doré, ça peut être joli. Mais je trouve que rose, c'est pas mal, ça change. C'est pas mal, ça. Pour un showcase. C'est taille unique. Louis Vuitton. Et après, sinon, j'avais trouvé une autre robe. Celle-ci. Voilà. Voilà. Moi, c'est bon. Elle, ça c'est vrai, c'est pas mal ça. Avec un, faut trouver un petit haut maintenant. C'est la bonne taille. Elle, c'est bien du L. À tout à l'heure. C'est parti. Ta-da. Alors j'aime bien. J'aime. Tu l'as mis à l'envers? Non, je l'ai pas mis à l'envers. Regarde, il y a une étiquette. Je sais pas, c'est comme. Attends, ça. Attends, fais voir. Aïe. Ah non, tu l'as pas mis à l'envers. T'as raison. T'es c'est une robe? Oui. Allez. Alors fais voir. J'aime pas trop. Hein. Ah t'aimes pas? Non. C'est trop ouvert, c'est trop vasé vers le bas. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu ouverte en bas. Après c'est festif. C'est festif, mais non. J'ai un complexe, c'est les jambes en fait. Ok, donc t'as pas envie de montrer tes jambes? Non. Ok. Et bah si tu te sens pas bien dans la robe, t'en essaies une autre. Alors au départ, Sam il m'a choisi une robe fuchsia. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas trop aimé la robe, c'est juste que j'ai un problème. Il y a une partie que j'aime pas, c'est la fente. Et j'aime pas trop faire montrer mes jambes en fait. Voilà, devant tout le monde. Après, si c'est à la maison ou par exemple entre amis, là il n'y a pas de souci. Mais là, s'il y a trop de monde, j'aime pas. J'aime pas trop mes jambes, je suis désolée, mais je préfère le dire. Moi, j'aime pas trop mes jambes. 3, 2, 1. J'adore. Moi j'adore. Mais je la prends. Fais voir, attends, fais voir. Est-ce qu'il faudrait pas une taille en dessous? Non. Non, c'est bien là? C'est bien. Là tu te sens bien, on voit pas les jambes, t'es contente? Non, je vois. Et tu mets ça avec des baskets ou avec des talons? Avec des talons. Ok, bon. Et tu te sentiras à l'aise pour chanter? Oui. Ok. Tu veux pas essayer quand même la petite veste en jean, elle est mignonne comme tout? Avec par-dessus ou... Pas par-dessus. Moi tu vois, la veste en jean, je l'aurais mis pour le coup soit comme petit pantalon noir. Oui, en fait, quand j'aurais parti, j'aurais pris ça et ça, parce qu'il y a deux jours, en fait. Pas habillé le même jour, en fait. Et c'est quand même, et on voit ce qu'est le mieux, d'accord? Ok. Mais la robe, elle est belle. J'ai eu un gros coup de cœur parce que la robe, elle est longue, et on voit pas du tout mes jambes, et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur, et elle est sublime. C'est bon? Sympa. Sympa. Sympa, mais pour un showcase, je préfère la robe. Moi aussi. La robe, elle te va très bien. Moi, c'est pareil, je suis même avec toi, Sam. On prend la robe? Oui. C'est moi qui te l'offre. Merci beaucoup, Sam. Allez, on prend la robe, je te laisse te rhabiller. Merci. Bah oui, la robe, elle lui va bien. Hein? Ce que j'ai aimé dans cette robe, longue, féminine, et amassie. Voilà. Tenez. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. T'es contente, Momo, qu'on ait trouvé la tenue? Oui, merci beaucoup. On rentre, là? Ouais, on rentre. Et je remercie à Sam de m'avoir offert cette robe-là et je ferai dédicace au showcase de Belgique. Donc là, Momo, on est où? Je sais que ça te tient à cœur parce que c'est un endroit que tu connais très bien derrière. Exactement, on se trouve au Petit Parisien. Le Petit Parisien, cet été, j'ai rendu un service, donc j'ai travaillé avec eux. Mais t'as travaillé combien de temps là? On a passé juste une journée. Ah, mais moi je croyais que tu avais travaillé grave du temps. Non, juste une journée parce que le patron il avait besoin de moi. Ok, mais c'est pas, t'as pas travaillé là pendant des années? Non, voilà. Ok, voilà. Ok, on y va? On y va. Moi je croyais que t'allais me présenter ton ancien patron et tout, je me suis dit ça va être cool, tu vois, attention Momo. Le patron je le connais très bien et il est très gentil et puis voilà. Alors Sam, il croyait que je travaillais dans un bar des années et il a cru ça, mais en fait non, en fait il était mal informé. C'est juste que j'ai travaillé une journée dans ce bar-là, juste pour aider le patron.
et en tant que serveuse. Et par contre, oui, c'est vrai que je suis restée plusieurs fois dans ce bar-là, toute la période d'été. En Belgique. Ah, c'est parce que t'as pas mis le L. Belgique. Oui, mais parce que j'ai pris l'accent belge. Eux, ils prononcent pas le L. Oui. Belgique. Ah bon, ils disent pas Belgique? Non, ils disent Belgique. Belgique? Oui. Donc là, on boit un petit verre, on se repose, ensuite on rentre chez toi. Tu veux faire quoi quand on rentre? Faire les vocalises pour le showcase. Ah, c'est-à-dire que tu chauffes ta voix, tu t'entraînes? C'est ça. Ok, donc tu vas me montrer comment tu t'entraînes? Oui. Allez, super, on fait ça. Exactement. Alors ça donne quoi les vocalises? Ça sert à quoi déjà de faire des vocalises? Alors les vocalises, ça permet de ne pas s'abîmer les cordes vocales et permettent aussi de réchauffer la voix en fait. Parce que par exemple, tu peux avoir au fond de ta gorge quelques glaires. Il faut vider, si c'est vrai, quelques glaires et tu peux abîmer fortement les cordes vocales. Donc là, tu fais ces vocalises pour te chauffer pour ton prochain showcase. C'est ça. Allez, et ben let's go. Donc je vais commencer par les plus petites notes à monter jusqu'à les grandes hautes notes. Par contre, j'ai juste demandé au moment du tournage comment monter les grandes notes. C'est juste de baisser le son de vocaliste parce que pour les tympans. Parce que ta voix va être puissante. C'est ça. À raison, je vais faire les voyelles. Je vais faire le E et le U. Donc ça fait Alors ça. Momo, tu m'as fait rire. S'il te plaît, pardon. Fais comme moi. Ok. Ok, vas-y. Vas-y. He. 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 Merci. Ha. 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 Tu vois, c'est en train de travailler ton diaphragme. Le diaphragme, c'est au niveau, il y a le nombril ici. Bien. Je suis une bonne prof, hein. Oui. Et la note très aiguë, là, où t'as dit... You. You? Oui. Allez, on fait you. You. Non. You. 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 Donc là, si je vais faire une pause, moi je vais faire montrer. Que Sam avait une belle voix et qu'il peut avoir du potentiel. Et même au niveau de ses chroniqueurs, les punchlines vraiment de Aja, il peut continuer. Franchement, c'est au top et j'adore. Bienvenue chez Jamsera. Voilà. Bon, ma petite Morgane, j'ai été ravie de passer cette journée avec toi dans ta vie. Ça t'a plu? Ça m'a trop plu et je veux pas que tu partes, Sam.
T'étais contente? J'étais trop contente, mais trop triste à la fin parce que tu vas partir. Bah oui, j'ai de la route là. Oui, je sais bien. C'est pas à côté Paris. Je sais Paris, c'est pas très loin, c'est 1h30 de route. Et je sais, c'est énorme pour toi. Ah mais non, t'inquiète, ça m'a fait plaisir de venir à la rencontre. Voilà, moi ce que je voulais te dire, Morgane, c'est de ne jamais prendre en compte tout ce que tout le monde peut dire sur toi. T'es une combattante, t'es une passionnée. Quoi qu'il arrive, même si je sais que t'es très maligne et que tu sais ce que tu dis et ce que tu fais parce que tu sais pourquoi les gens te regardent, ça je l'ai très bien compris. Continue, parce que toi, si ça te fait kiffer et si toi, t'es heureuse, c'est l'essentiel, Momo. Exactement, je suis d'accord avec toi, Sam. Et toi aussi, force à toi, continue comme ça et fonce la tête haute, comme je te le dis à chaque fois. Et t'es une bonne personne, une belle personne. Et tu sais ce que je pense, c'est un petit ange. Donc voilà. C'est mignon. On se fait un gros câlin. Oh là, tu t'es fait mal. C'est pas grave. Ça va. Bisous, ma maman d'amour. Bisous, merci de m'avoir accueilli. Tu m'as accueilli comme un roi. Attends. Mouah. Mouah. Allez, bisous, Momo. Bisous. Arrivederci. Ciao. Prends soin de toi. Toi bye aussi. Bye. Bye bye. Bon, il est temps de dire au revoir à tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette journée avec Sam chez Morgan Makeup. Je vous dis. Bye bye, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sam Sierra, un pouce bleu, un commentaire, une cloche de notification et aussi de venir s'abonner à Morgan Makeup sur YouTube, Instagram Morgan Makeup YTV et Morgan Makeup YTV-8 et 780 sur TikTok. Gros bisous à tous et force à vous et faites attention à tous. Bye bye. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Je ne suis pas débutant, je suis professionnel.